Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 16, donc toujours en carrière manager. Donc si je me souviens bien, dans le dernier épisode, on s'était pris une tollée par Marseille, je crois. Alors on avait fait un match où on avait mis une tollée, ensuite on est passé en pro et on s'est pris une tollée. Donc là on joue contre l'OGC Nice, on va voir ce que ça donne. Parce que franchement, en pro j'y crois plus trop, hein. Je crois qu'on va redescendre un petit peu. Si vraiment on se prend une grosse tollée par Nice, je redescends. Hein. Parce que j'ai pas trop envie de me taper la honte non plus, hein. Oui, genre, hein, voilà. Bon, alors, petite équipe. Oula, Talot blessé en plus, j'avais oublié ce détail. Ben, c'est grave et pas grave en même temps, quoi. Je peux le remplacer par quelqu'un d'autre. Talot, voilà. Un peu chiant, quoi. Allez, on va faire jouer les jeunes un petit peu, là. Allez, Bouffal, Fekir, Garassi, Martin, Balmont. Martin il monte. Non il redescend Martin. Donc on va dégager Martin. Bah, dit, on va le faire jouer un petit peu, on va le rentabiliser. Hein. Tidi Beberia connaît. Alors ça va. On va faire jouer Bertomi un petit peu. Zuma, Sumauro et Senzu. Pour l'instant, on est bon. Allez, on lance comme ça. Au calme. Hop. Allez. Bon, bah, c'est parti. Hein. Un petit match contre Nice en pro. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on a Nabil Fekir. Il y a moyen de faire des bons trucs. Enfin, après, bien sûr, il reste mon skill. On a Boufal et Fekir, donc ça va. Bienvenue avec nous, allez savoir, nous verrons peut-être des sorcières dans le stade en ce jour d'Halloween. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le GC Nice face à Lille. Ah ouais, c'est Halloween quoi dans la saison. De ouf. Bon, je vous le dis tout de suite, si je me prends 2 ou 3-0 par Nice, je repasse direct en semi-pro, je cherche même pas à comprendre. C'est pas question que j'aime pas perdre, mais bon, à ce point-là, faut pas déconner non plus. Hein. Oui, la meilleure attaque, oui, bah pour l'instant, vu qu'on était en semi-pro, oui, forcément, on avait la meilleure attaque, les meilleurs buteurs et tout le tralala, quoi. Mais là, ça va changer, je pense. Si je reste en pro, ça va changer en tout cas. Allez, c'est parti, Nice qui lance le match. Voilà. Allez. Une petite touche pour nous, ouais. Allez, au calme, voilà. Mais non, ça c'était nul, très nul. Oh mon gars. Allez, on avance. Plus normalement je devrais être chaud, je viens de faire quelques matchs en Ultimate Team juste avant de faire la vidéo, donc voilà. Ça devrait être bon. J'ai battu une équipe en pro, justement, en parlant de ça. J'ai battu une équipe pro, waouh. Ouais, donc je disais, j'ai battu une équipe pro en Ultimate Team juste avant de commencer cette vidéo. Donc franchement, je pense que ça devrait passer. Après, il reste à voir l'équipe. Par contre, ouais, l'équipe pro que j'ai battue en Ultimate Team, c'est avec une équipe bronze. Hein, donc normalement, il devrait pas avoir trop de mal. Bien normalement, je m'avance pas trop, je fais pas de prévision à l'avance, hein. Je fais pas comme la météo. Allez Nabil. Oh punaise. Allez vas-y.
Marchand. Valère Germain. Voilà, ballon récupéré. Allez, on retente. On retente une petite attaque. Et non, contré. Nice qui repart à l'attaque. Enfin, qui essaye en tout cas pour l'instant. Dommage, dommage. Allez, on continue. On perd pas le nord, on perd pas le nord. Oh putain, la blague! Je viens de me rendre compte que j'ai fait une blague toute pourrie. Lille qui perd pas le nord, MDR. Allez, y'a quoi, corner? Ouais, corner, allez. Vitesse, tu fais pas le con. Allez, y'a un joli numéro de maillot à la clé. Là. C'est bon ça. Y'a un petit numéro 2 pour toi à la clé, Vitesse. Tu fais pas le con. Eh, c'est showtime hein, quand même, malgré que ça soit Nice. En pro, c'est plus du tout la même chose, hein, le jeu, franchement. Allez, Vitesse qui relance, au calme. Allez, une minute de temps additionnel et on arrive à la mi-temps. Tranquille. Ouais, je viens de faire le con. J'ai trop appuyé sur la passe, du coup, ça nous fait un corner pour Nice. Allez, allez. Putain, c'est n'importe quoi par contre la possession. Déjà que j'en faisais pas des tonnes en semi-pro, bah là en pro je fais plus rien niveau possession. 30% de possession quoi, au calme. Allez. Balmont complètement mort. Allez, on est reparti. Donner un petit peu de tonus à cette équipe, alors l'entraîneur fait deux remplacements. Allez, les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Allez, si je bombarde, je bombarde, je fais plus de cadeaux, je fais plus rien là. Vas-y, fais-moi mal, fais-moi mal. J'adore quand tu me fais mal. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nice accueillera l'Olympique Lyonnais. Deux équipes qui essaieront de donner le meilleur d'elles-mêmes, bien sûr. Putain, les passes moisies que je fais. Oh là 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 là. J'ai trop cru qu'elle était dedans. Allez. Allez quoi. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Les deux joueurs à la lutte. Allez. C'est pas Guedin. Oh, penalty, 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 penalty. Oui, 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 oui. Oh punaise. Oh mon gars quoi. Oh punaise, on va peut-être sauver le match là. On va peut-être sauver le match sur un penalty, les gens. Penalty. Franchement, le match pourri quoi.
Mec, il se prend 30% de possession pendant tout le match. Il met pas un but, puis il est sauvé sur quoi? Sur un penalty. Ouais! Franchement, si ça rentre. Oh yes! Nabil Fekir! Oh oui! Bah bien sûr, ça rentre. Hein. C'est Nabil quoi. Je vous laisse empêcher le ralenti sur ce but. Ouais, de toute façon, il a pas bougé le gardien de Nice. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il faut avec un numéro 20, Fekir là? On voit pas ça. Alors, nous voilà sortis de l'impasse dans cette seconde période. C'est un 17 normalement, je crois, lui. Un 16 ou un 17, je sais pas, faudra que je regarde. Bon. En tout cas, Butez, même en pro, il fait le taf. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il est qu'à 62, je crois, là, général. Allez, on continue. On gagne, on gagne. Ouais, en défensif. Au calme, c'est bon. Allez. Est-ce que c'est un bon centre? Il fallait dégager, c'est bien. Allez, on est reparti avec Gerassi. Oh, solo en plus. Solo, solo, solo. Eh oui, mon gars, t'es trop solo. Olé. Oh, penalty! Deuxième édition. Putain, deux penalty, quoi. Ligue barbare, quoi. Allez. Ouais, l'autre, il s'est... Comment il s'est fail, Gerassi? Il s'est trop fail. Ah, j'ai kiffé. T'as deux pénaltys en un match, quoi. Ça devient lourd, quoi. Paris qui vont nous en mettre un troisième. Ah, c'est Gerassi qui tire. Allez. Ah non, c'est Nabil. C'est Nabil. Ouais, c'est Nabil. Voilà. Ah, voilà. Du même côté, puis ça rentre. Voilà. Que dire de plus? What else? Ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Oh, putain. J'aime quand tu taffes comme ça, bien là. J'aime quand tu taffes comme ça. Oh oui. Je vais vraiment te filer ton numéro 2, toi, sérieux. Limite, je vais bientôt pouvoir te filer le numéro 1 parce que... Si t'évolues plus en pro qu'en semi-pro, déjà je vais rester en pro. En plus, si t'évolues plus en pro, je vais... Tu vas vite monter au-dessus de notre ami, là. J'ai plus son nom. Aïe. En tout cas, 86e minute, 2-0. On est bon. À moins qu'il y ait un miracle chez eux. Sinon, c'est plié, c'est remballé, voilà. Sur deux pénaltys. Mec qui a fait un match sur des pénaltys, quoi. Nous, il a rien foutu du match, quoi. Voilà. Allez. 4 minutes. Ah ouais, chaud. Pas le moment d'avoir un corner ou un coup franc direct, hein, parce que là... Ah non!
Rattrape mon gars, rattrape. Oh bah voilà, punaise. M'a fait stresser sur la fin quoi. Bon bah voilà. Un petit match sous la pluie, on gagne 2-0 que par penalty, c'est magnifique. Que dire de plus? Zuma qui a fait le taf, et oui. L'équipe s'impose donc à l'extérieur. Début, 3 points de prix, rien à dire. Allez, on continue, on continue. Bon, première victoire en pro pour l'instant. Après, c'est que le GC Nice aussi, hein, donc on verra bien. On va faire les entraînements vite fait. J'entraîne Butès, tiens. À moins que. Non, je vais pas entraîner Butès. Entraîner Maignan, tiens. Alors. Ouais, Butès, je veux le faire jouer un peu, donc du coup, pas trop besoin de l'entraîner, quoi. Garassi, il y a moyen de le noter. Allez. Allez, vite fait, c'est parti, on simule, comme ça on perd pas de temps. Et on continue. Alors, rapport mensuel sur les jeunes joueurs. 54, entre 70 et 90, ouais. En tout cas, lui, ça va être une bonne recrue. Opetien, MDC. Il est déjà 44. Ouais, c'est chaud. Bon, lui, je le garde pour l'instant, mais bon, 44, c'est un peu chaud. 57, par contre, là, entre 84 et 94, il y a du potentiel. Lui, je vais le prendre, tiens. Allez. Alors, ensuite, on a lui, ouais. Hein, 74, non mais t'es sérieux. Désolé mon gars. 64, 78, pareil, désolé. Désolé. 69, 81, ouais, pour l'instant je garde. 65, 77, non. Et les autres, bah je vais attendre. Hop, voilà. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs à recruter? 42, 54, 63, 83, ouais. Entre 42 et 54, non. 43, 57, 35, 49, 40... 39, 45, non. 46 et 60. Et 54. On va essayer avec toi, tiens.
36-48. Non, pas du tout. Désolé. Je ne te veux pas dans ma team. Alors ensuite, toi. 43-59. Non. 37-51, encore moins. 39, non. 48, non. 43. 38, 41, 49. Ouais, rien de bien intéressant. Alors ensuite, en France, on a quoi? 41-55, 38-48, 42-54, 39-47, 40-54, 41-57. Ouais, y a rien qui m'intéresse de spécialement plus là-dedans. Allez, le retour du blessé, Sébastien Corchia. Oui. Allez, on continue. Hop, bing bang. Match contre Bastia. Alors, on a quoi? Joueurs appelés en sélection, Kurzuma, Sébastien Corchia et Nabil Fekir. Ok. 3 joueurs en moins. Contrat accepté, bah bien sûr. Allez. Hop, on remet Corchia. Sun Tzu qui remonte. Ah bon? Nouveau. On va faire jouer Beria un petit peu. Talo, Benzia. On va faire jouer à Rojo un petit peu. On va laisser Bouffal, tiens, ici. On va mettre Milité, tiens. Voilà. MDC1, MOC1, MOC. On va jouer Maignan. Voilà. On est bon. Ah, j'ai pas vu notre nouvelle recrue, là. Allez. Kisombi, MD, ok. MD, il va falloir que je trouve une formation pour le caler celui-là. Et d'ailleurs, je vais changer de formation. Je vais essayer ça, tiens. Ouais, non, il n'y a qu'un seul attaquant, c'est chaud. Je vais essayer ça. En plus avec Bouffal ici, voilà, Bouffal et Arojo, et on va mettre Balmont, voilà, petite formation au calme. Voilà, hop, Corchiel est bon, tout le monde est bon, perfect. Voilà, comme ça on change un petit peu les formations, on teste un peu de tout, voilà. Parti pour le SC Bastia à domicile. Voilà, puis moi je peux faire jouer mon nouveau joueur. Allez, zoom-moi. Bah, bien sûr. Non. Bah voilà. Bah non. Essaye encore. Non, ça c'était nul. Ça aussi. Pas le rebelle comme ça, Zuma. Mais oh! Ben voilà, enfin ça rentre. Voilà. Nickel. Voilà, c'est bien, ça commence à être bien en tout cas. Hop, presque. Voilà, bien joué. On continue.
Mais bien sûr. Voilà, excellent, parfait. Parfait. Dommage. Voilà, en tout cas, excellent. Ça passe. Allez, on lance ce dernier match de cette vidéo. Bonjour. Allez, on joue contre Bastia. Merci à vous de nous on a à domicile. De Ligue 1 et on va essayer de gagner sans pénalty, ça serait bien. Avec Franck Sauzé. Et dans ce match, donc on a une formation que j'ai encore jamais faite. Jamais faite, punaise. Le mec sait pas parler, quoi. Oh. La violence du matin. Ouais, il est très tôt. Hein. Quand je suis en train de faire cette vidéo, il est très tôt. Donc, c'est pas le mec fatigué du coucher, en fait. C'est pas le mec fatigué qui va aller se coucher. C'est le mec fatigué qui vient de se réveiller, en fait. Je sais pas, à bailler et tout, mais presque. Mec, il a oublié son cerveau dans son lit, tu sais. Lol, il découvre sa nouvelle équipe. Le mec, il a pas fait encore un seul match. Ça fait un an qu'il est dans l'équipe, quoi. Le mec, il a oublié de dire qu'on avait gagné sur des pénalties aussi. Hein. Je commence déjà à faire de la merde, c'est pas bon. Allez. Quand je disais que je faisais de la merde. Non mais sérieux, il va me mettre un carton dès le début, quoi. Il s'est un peu laissé emporter hein, sur ce tacle glissé, on dirait. C'est pas le fou à mettre des cartons dès le début du match. Hein. Tu vas payer cher, mon gars. En mode, je vais tacler l'arbitre. Un jour, je vais essayer de mettre la violence à l'arbitre. Juste pour le fun. Allez, une petite touche pour Lille. Aïe. Pilote qui part sans le ballon. Au calme. Bah bien sûr, Maignan, bien sûr. Il est à la récupération au milieu de terrain. Modesto. Gaël Danic. Oh non. À cet instant, la défense vigilante sur ce coup. T'aurais pu faire mieux là. J'avoue que je suis un peu perdu avec cette formation, il y a un peu trop de joueurs en attaque là. Oh là là. Les Lillois ne s'attendent pas à un match facile. Vous en pensez quoi, Franck? Oui, je suis un peu de cet avis, Hervé, mais attention à ne pas tomber non plus dans le pessimisme. Genre, on va pas avoir un match facile. Oui, parce qu'on est en pro, mais sinon c'est Bastia, hein. Faut pas s'allumer non plus, c'est pas Marseille. Hein. C'est récupéré. Mathieu Payberne. Mostefa. Gaël Danic. Bernard Aspantino. Allez. Oh putain. Les mecs, ils ont fait double. Ils se sont rentrés dedans. Bah, bien sûr, Maignan, bien sûr. Oh. Ah, j'allais dire solo, mais non, presque. J'aime pas quand il part sans le ballon comme ça. Ça me saoule. Tiens. Ça va me falloir un carton cette histoire.
J'avais dit que j'allais commencer à être violent. Attention à ce centre. Tu m'as blessé, mon gars. Mais comment je te démonte? Allez, punaise, c'est pas le ouf comme ça là. Eh oui, contré par le défenseur. Oh là 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 là. Faut que j'aille redormir, sérieux. Après cette vidéo, je vais aller redormir un petit peu, je crois. Enfin, si j'y arrive. En tout cas, corner pour Bastia. Non, 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 je suis pas d'accord là. Le gardien, il a pas bougé, quoi. Putain, je dirais qu'une chose sur ce coup-là pour le gardien. Sérieux. Sérieux. Oh là 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 là. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Et le gardien est impuissant sur cette frappe juste sous la barre transversale. Et bien voilà, un but qui va peut-être enfin lancer ce match, Franck. C'est vrai que pour l'instant, Hervé, le match... Oh punaise, le gardien, il a pas bougé une aile, quoi. Rien. Ce serait un vieux but tout pourri. Bon bah voilà, mi-temps les gens. Allez, on s'emballeque, on continue. La seconde période qui débute à l'instant. Et le SC Bastia qui mène au score pour le moment. Mustapha. Allez, au moins Zuma lui il fait le taf, c'est un bon lui. Allez. Punaise. Ah oui, d'accord, c'est l'autre teubé que je viens de recruter là. Fait de la merde. Allez, allez, ça va. Donne la balle, fais pas le dingue comme ça. Voilà, c'est gentil. Fais pas le fou. Je t'ai dit de me rentrer dedans, du con. Oh là là, sérieux, ils commencent à me saouler, les mecs. Ils se rentrent dedans alors qu'ils sont de la même équipe, quoi. Bande de cons, bande de cons. J'ai l'impression qu'il y a que les deux défenseurs centraux qui font le taf, en fait. Je sais pas pourquoi. Les attaquants, ils sont à la rue, ils savent pas faire des passes. Ou ils se rentrent dedans. Les latéraux, bah... Pff, quand ils essaient de rattraper une balle, ils servent à rien, quoi. Puis les milieux, bah ouais, ils font une passe tous les quatre doigts, puis ils sont contents. Ils sont contents. Ils ont fait leur connerie, ils sont contents. Voilà. Regardez-moi ça. Balmont-le-Gueux. Allez, Balmont-le-Gueux, voilà, qui sait pas faire une passe. Ça te dit que je te revende, Balmont? Vas-y. Ah oh, punaise, j'en peux plus de ces connards, j'en peux plus. Il y a aussi le mode pro qui m'aide pas non plus, alors... Oh là là, puis le mec, puis le sommeil qui m'aide pas non plus, bah voilà, punaise. Ah, Bouffal, t'es là, toi. Toi, tu me lâches pas, tu le mérites ton numéro 10 au moins. Putain. Pas comme le Talo qui a rien branlé, qui se fait prendre les ballons à chaque coup. Sérieux. Ah, but partout, tout est à refaire. Allez, c'est reparti. On est égalisé. Bon alors je vous avoue franchement c'est la galère. Je sais pas pourquoi en Ultimate Team je maîtrise avec une équipe bronze des équipes pro. Et là voilà quoi.
Oh là là, c'est n'importe quoi. Ça passe pas, ça tire pas. Quand ça tire, je suis obligé d'esquiver 45 mètres. Oh, puis moi, je sais plus parler, alors ça aide pas. Quand je suis en mode carrière et que je joue en pro, je suis obligé d'esquiver 45 mètres. 45 mecs, je vais y arriver. Je suis obligé d'esquiver 45 mecs avec un seul joueur pour devoir marquer un but. C'est vraiment de la connerie là. Regardez-moi ça. Le contrôle, paye ton contrôle, paye ton contrôle. Regardez-moi ça, ce vieux Balmont là. Je vais te vendre, mon gars, je vais te vendre. Tu dégages. Ah oui, c'est vrai, je crois qu'il part en retraite en plus, ce con. Il est vieux, lui. Hein, papy Balmont, là, tu sers plus à rien. Sérieux. T'es peut-être good en vrai, mais dans le jeu, putain, qu'est-ce que tu pues la merde, mon gars. Oh. Le milieu qui sait pas faire des passes, quoi. Au moins, Zuma, c'est un bon investissement, lui. Lui, au moins, il est là pour défendre. Il défend, il fait son boulot. On lui a rien demandé de plus et c'est tout ce qu'il fait. Allez, contré par le défenseur. Bon bah on va se faire un match nul les gens. Voilà, une touche. Ou peut-être pas, il reste encore du temps. Il y a moyen de mettre le but. Bouffal, vas-tu me décevoir? Oui, non, peut-être, bah oui. Voilà, puis l'autre il me défonce. L'autre il m'a défoncé là. Mo Stefa là, il m'a violenté Bouffal. Ça te dit que je te violente aussi? Allez, un petit violentage pour la fin. Bon bah, j'ai pas pu le violenter, tant pis. Allez, fin du match sur ce score de 1-1 contre Bastia. Donc en pro, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, c'était folle, enfoiré. Sur la prestation de ce joueur dans ce match. Eh bien Hervé, j'ai l'impression qu'il est déçu de sa prestation. Il n'a pas eu le rayonnement escompté, du moins sur le plan offensif. Et s'il avait plus tenté, il aurait peut-être permis à son équipe de s'imposer. Bah oui, Nangis, t'as rien foutu, rien, que dalle. De toute façon, tous les latéraux, ils ont rien foutu sur ce match, rien. Et Bouffal et Zuma qui ont fait leur taf, c'est tout. Le gardien qui regarde la lune. Ah, vraiment. Je vais remettre Butez, hein. Au moins, il est peut-être qu'à 62, mais au moins, lui, il plonge. Hein, parce que l'autre, il est au ballon. Oh, il passe au-dessus de ma tête. Oh, bah, merde, alors. Oh, bah, je l'ai pas vu. Oh. Je vais retourner à l'entraînement, ça l'enfoiré. Je te le dis, hein. Hop. Plus vite que ça. Alors, t'as quoi de beau à faire? On va faire ça, tiens. Allez. Mais ouais, Zuma, toi, tu fais bien le boulot. Toi, t'es un bon. Tellement bon que je continue à l'entraîner. Alors. Allez, bing, bang, bang. Voilà. Offre pour le poste de sélectionneur du Canada. Nom de nom. Je veux pas le Canada, moi. Mise à jour, on s'en fout. Cordialement.
Allez, on refait l'entraînement au calme. Alors, Mignon, tu vas passer 68? Oh, peut-être. Ça serait cool. Ouais. Allez, Gracie, un petit entraînement au calme. On y va, allez. En tout cas, j'avoue que ce dernier match m'a fait particulièrement rager. Entre le gardien qui regardait nulle part et que les latéraux qui branlaient rien, franchement... Bon, en tout cas les amis, sur ce, je crois qu'on a bientôt fini cette vidéo, ouais. On a même fini là, hop, voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc, alors on a gagné un match 2-0 sur penalty, ouais, contre l'OGC Nice, et on a gagné, enfin on a gagné, on n'a rien gagné du tout. Ensuite on a fait un match nul contre Bastia 1-1, donc c'est plutôt bien pour du niveau pro. Alors je change vite fait le maillot de notre ami, il est où notre gardien? Il est où notre gardien? Il est où? Ah, putain. Voilà. Bien si, ouais. Ah oui, il y avait notre ami Nabil. Donc c'est 17 ou 16 hein, qu'il est. Je vais mettre 17, on verra bien. Si c'est pas ça, je rechangerai. Donc en tout cas les amis, sur ce, bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais avancer jusqu'au match, voilà. Donc prochain match contre les Stacks. Donc voilà, pareil. On essaiera de faire bien, si ça passe. Je vais lire les messages, vite fait. Non, tac. Ouais, on verra ça plus tard. Donc en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos de FIFA ou d'autres jeux. Voilà. Me suivre sur Twitter, bien sûr. Là-dessus, vous saurez si je live ou pas, si je fais des vidéos ou pas. Voilà. Parce que je commence tout doucement à me mettre au live. Donc voilà. De toute façon, vous le savez normalement sur mon... quand vous regardez une de mes vidéos YouTube, vous le savez quand je suis en live normalement. Mais c'est toujours mieux de vous mettre sur Twitter pour savoir quoi. Ensuite, il y a Facebook. Ça, je sais pas si ça fout les alertes de Twitch. Mais en tout cas, ça met toujours les vidéos. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma page Facebook. Et puis voilà. À me suivre sur ma page Facebook, Google+, comme vous voulez. Voilà. C'est pas indispensable, mais ça sert. Voilà, c'est pareil pour mes vidéos, tout ça. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis salut à tous. With the minor war.